Laurent, c'est à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe à la technique. Et bienvenue pour toute la semaine. Merci de votre fidélité, que ce soit en vidéo live via Facebook, bien sûr, page bar de l'économie, ou en web radio, idfm98.fr ou en fm98.0. Et puis pour réécouter cette émission, eh bien, connectez-vous sur la chaîne YouTube Bar de l'économie. Alors aujourd'hui, beaucoup de sujets avec nos invités. Anne Chèvre, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'association Lions Club et avec vous, on va parler justement de toutes les opérations que vous avez organisées pendant cette pandémie Covid-19. À nos côtés, Emmanuel Michael, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes conseiller municipal d'opposition à Saint-Gratien, en Val-d'Oise, et vous êtes conseiller communautaire à Plaine-Vallée. Vous êtes aussi président du mouvement démocrate pour le Val-d'Oise, donc le MoDem, comme on dit. Et puis, dans la GIF, vous êtes responsable du service de protection sociale à la CAF du 95. Alors, avec vous, on aura donc bien sûr beaucoup de sujets, le confinement, déconfinement progressif sur le Val-d'Oise, l'ouverture des écoles, l'installation, bien sûr, des élus. Et puis, peut-être ce que vous pensez de la politique locale et nationale. Et puis, peut-être d'autres sujets, nous verrons bien tout à l'heure. À nos côtés également, Christelle Paulus, bonjour. Bonjour, Florence. Vous avez créé l'INIFIA en 2019, car vous êtes docteur en gestion, experte dans la RSE. Et donc, avec vous, on va parler de cette démarche et de la plateforme de pilotage que vous avez créée à base d'une méthode scientifique. Et c'est cette méthode qu'on aimerait bien sûr connaître. Et puis pour finir, je vous emmènerai sans doute vers un documentaire sur Arte si le temps nous le permet. Alors bien sûr, comme d'habitude, les infos du jour. Hommage à Jean-Loup Dabadi, auteur, traducteur, metteur en scène, parolier, dialoguiste, journaliste, académicien, mort à l'âge de 81 ans à l'hôpital de la Salpêtrière, d'une maladie autre que le Covid. Jean-Loup Dabadi était un artiste complet qui avait réussi dans tous les arts. Le sketch avec Guy Bedos, par exemple, la chanson avec Paul Naref ou encore Julien Clerc. Et bien sûr, le cinéma, en tant que scénariste et adaptateur, a rappelé son agent Bertrand de Labey. À 20 ans, il publie son premier livre, Les yeux secs, Les dieux du foyer. Ça, c'était dans les années 57 et 58. Et avec ces deux livres, eh bien, il va taper dans l'œil de Pierre Lazareff et il sera embauché dans sa société où il travaillera en compagnie de Philippe Solers et de Jean Edernalier. Il travaille pour la télévision ensuite avec Jean-Christophe Averty. Il imagine des sketchs pour Guy Bedos, Sylvie Joly ou Muriel Robin ou encore Jacques Villeray. Et il se consacrera évidemment pendant énormément d'années au scénario et au dialogue de films, aux pièces de théâtre, aux sketchs et aux chansons, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Alors côté film, il a collaboré avec des réalisateurs comme François Truffaut, Yves Robert, Claude Sautet, par exemple pour Les choses de la vie, Max ou les ferrailleurs, César ou Rosalie, Vincent, François Paul et les autres, mais aussi Un éléphant, ça trompe énormément, Nous irons tous au paradis, ou encore La gifle de Claude Pinoteau qui lui valera le prix Louis de Luc. Mais c'est en chanson qu'il terminera sa carrière. Il était le parolier de Michel Polnareff, qu'il fera revenir donc derrière les platines, Julien Clerc et puis bien sûr Michel Sardou. Autre info du jour, eh bien depuis samedi, les équipes municipales élues au premier tour, le 15 mars dernier donc, peuvent enfin s'installer et élire officiellement leur maire. Cette première réunion des conseils municipaux doit se tenir entre le samedi 23 mai et le jeudi 28 mai et cela concerne 95% des communes de France. Pour les 5000 autres communes qui doivent encore élire leur équipe municipale lors d'un second tour, la date retenue par Édouard Philippe, notre Premier ministre, eh bien c'est le 28 juin prochain, si les conditions sanitaires le permettent. 16 millions d'électeurs sont concernés et un masque de protection grand public sera obligatoire pour chaque électeur. Par contre, pour les membres du bureau de vote, ils devront porter un masque chirurgical tout au long de l'opération
donc toute la journée, tout comme les squattateurs au moment du dépouillement. Cette décision, bien sûr, est toutefois réversible, a dit le Premier ministre, selon l'avis du Conseil scientifique, dans 15 jours. Un décret va prévoir le second tour le 28 juin et un projet de loi à titre conservatoire prévoira le second tour en janvier 2021 au cas où les conditions sanitaires ne le permettraient pas. Alors, Emmanuel Michael, comment s'est passée votre installation à Saint-Gratien cette semaine ? Eh bien, écoutez, ça s'est très bien passé. Je remercie les services municipaux qui ont permis l'installation du conseil municipal dans des conditions sanitaires propices, vu les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement. Donc, ça a impliqué le port du masque, une séance quasiment à huis clos, puisqu'on n'avait que 4 personnes qui n'étaient pas élues ou des services municipaux qui avaient la possibilité d'assister à la séance d'installation du conseil municipal. Donc c'était un peu particulier, le contexte est toujours anxiogène hein, d'une certaine façon, puisqu'on n'aborde pas le conseil municipal de la même façon, le fait tout d'abord qu'il n'y ait pas de public, mais également le fait que nous devions respecter les distanciations sociales, ce qui implique qu'il y avait en fait chaque élu avait une table. Donc il n'y avait pas d'interaction réellement possible entre les élus. La chose aussi qui est un peu déconcertante lorsqu'on a l'habitude des conseils municipaux, c'était également le fait de ne pas pouvoir prendre la parole pour faire des explications de vote. Puisque là, on s'est vraiment contenté du strict minimum, c'est-à-dire le vote qui permet au maire d'être élu par le conseil municipal et également le vote des adjoints. En dehors de ça, il n'y a pas eu de présentation des élus, il n'y a pas eu de présentation, enfin d'explication de vote, si on a voté pour le maire ou pas, ce qui est un petit peu dommage et qui permet de... Ce qui contraint un petit peu la démocratie, puisqu'on ne peut pas vraiment expliquer nos choix, ce qui est un petit peu dommage. Mais après, c'est vrai que le contexte est tellement... particulier. Tellement grave que, bien sûr, on s'y fait et c'est déjà une bonne chose qu'on ait pu s'installer, même si c'est 2 mois après l'élection municipale. Merci pour ce commentaire. Je rappelle que le maire de Saint-Gratien, c'est Julien Bachard. Autre information du jour, c'est la dette française qui va sans doute dépasser les 120% du PIB fin 2020, annonce Gérald Darmanin, le ministre de l'Action publique et des Comptes publics au grand jury RTL Le Figaro hier. Conséquence des mesures de soutien à l'économie, bien sûr, face à cette crise sanitaire, tout en répétant que le gouvernement n'avait pas l'intention d'augmenter les impôts pour réduire la dette. 3 milliards d'exonérations de cotisations sociales pour les secteurs de la restauration, du tourisme, de la culture ou du sport, c'est également ce qu'il a annoncé. Et puis, un étalement du paiement des cotisations sociales sur 36 mois, a-t-il dit, pour les sociétés en dehors de ces secteurs. Les petites entreprises auront également le droit à des exonérations de cotisations patronales pour la période durant laquelle elles ont été obligées de fermer. Cela concerne 500 000 entreprises. Je rappelle que le montant des aides et des garanties comme le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État ou le chômage partiel représentent 450 milliards d'euros. Confinement, autre information du jour, la victoire judiciaire d'un restaurateur face à l'assurance AXA. Ça s'est passé vendredi. Stéphane Manigold, un restaurateur parisien, a gagné son procès contre l'assureur numéro 1 dans le monde, c'est AXA, qui refusait d'indemniser son client pour les pertes liées à la crise du coronavirus après sa fermeture obligatoire et donc administrative, car son contrat prévoyait une indemnisation en cas de fermeture administrative. La justice a donc ordonné le versement de 45 000 euros et c'est vraiment un soulagement, a-t-il dit, parce qu'on sait que l'on va pouvoir continuer à exister. C'est un bol d'air que le tribunal nous a donné pour simplement ne pas mourir, a-t-il dit. Mais l'assureur ne s'avoue pas vaincu et va faire appel. Autre information du jour, eh bien, ni la chloroquine ni son dérivé l'hydroxychloroquine ne se montrent efficaces contre le Covid-19 chez les malades hospitalisés, prévient une vaste étude sur 15 000 personnes parue dans The Lancet. De ce fait, Olivier Véran, le ministre de la Santé, demande une révision des règles de prescription de ce médicament au Haut Conseil de la Santé pour, évidemment, les malades en hôpitaux. C'est ce qu'il a déclaré le week-end dernier. Je rappelle quand même les chiffres, 100 000 morts aux USA, 30 000 en France, des chiffres monstrueux, mais un espoir. Des épidémiologistes estiment que l'immunité collective pourrait être atteinte plus vite que prévu. Des chercheurs ont évoqué la possibilité d'une immunité croisée qui permettrait à une partie de la population d'être protégée contre le virus. Et cette immunité acquise lors d'une première infection
protégera contre un autre agent infectieux. Cette hypothèse, qui reste à vérifier bien sûr, a été soulevée par des chercheurs américains dans la revue The Cell, mais aussi par d'autres chercheurs français ou bien par une mathématicienne de Liverpool, donc, qui, elle, indique une immunité collective située entre 10 et 20%. Et certains scientifiques français y croient aussi, considérant que le virus a touché tous ceux qu'il pouvait atteindre en France et que le nombre de personnes admises en réanimation est toujours en diminution depuis le 8 avril, ce qui est vrai puisque en ce moment, un peu plus de 1600 malades sont toujours hospitalisés dans les services de réanimation en France pour une forme sévère. Mais il faut rester prudent et donc porter un masque parce que le risque de la deuxième vague existe tout de même. Autre information du jour, eh bien, le gouvernement envisage de créer une cinquième branche à la sécurité sociale pour couvrir les risques de faire face aux dépenses croissantes liées à la dépendance et à la perte d'autonomie. En 2007, Nicolas Sarkozy en avait fait une promesse de campagne, mais faute de financement, son projet avait été enterré. Alors actuellement, la dépendance est déjà prise en charge par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, qui gère les fonds consacrés donc à la dépendance et au handicap, mais elle a des pouvoirs plus limités que la Caisse nationale d'assurance maladie, qui, elle, a la main sur l'ensemble des chaînes de financement. Et donc, on attend une décision ou d'autres annonces. On sait que les dépenses liées à la prise en charge des personnes âgées représentent 30 milliards d'euros par an, soit 1,4% du PIB, selon un rapport remis en mars 2019 par Dominique Libault, alors président du Conseil du financement de la protection sociale. Actuellement, 80% de ces dépenses sont financées par les pouvoirs publics via la sécurité sociale ou par les collectivités territoriales et 6 milliards d'euros restent à la charge des ménages. Or, ces dépenses pourraient atteindre 2,78% du PIB de la France, soit le double d'aujourd'hui, toujours dans le même rapport Libault, qui estime que le financement du secteur grand âge aura besoin de 6,2 milliards d'euros supplémentaires en 2024 et 9,2 milliards d'euros en 2030. Et en 2040, plus de 14% de la population aura plus de 75 ans. Alors je pense qu'Emmanuel Michael, que compte tenu de vos fonctions à la CAF, vous êtes au courant? Oui, tout à fait. Vous avez très justement indiqué que c'était une hypothèse qui a été abordée depuis de longues années. Ça a été développé par Nicolas Sarkozy en 2007. Et c'est un sujet qui est dans les tuyaux de la sécurité sociale depuis un long moment. Malheureusement, faute de financement, puisqu'il est quand même très compliqué de financer ce cinquième risque de la sécurité sociale, et c'est ce qui a toujours empêché de le mettre en place. Peut-être qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a vu dans les EHPAD, la dépendance d'un certain nombre de nos concitoyens, il est temps peut-être de sauter le pas, on l'a indiqué tout à l'heure, le PIB, la dette qui concerne notre pays est extrêmement importante, elle s'est creusée avec cette crise, cette pandémie. Donc aujourd'hui, peut-être que nous ne sommes plus assez prêts et que si on veut structurellement mettre en place des choses qui accompagnent les personnes dans des situations de dépendance, il est peut-être temps, c'est peut-être le bon moment pour mettre en place. Même si on est tout à fait conscient que c'est difficile, que financièrement ça va pas être évident, mais on a l'opportunité de le faire, saisissons-la. En tout cas, je sais que les services de protection sociale vont dans ce sens-là et accompagneront cette transition. Alors j'en profite pour rappeler que le lundi de Pentecôte est la journée de solidarité pour donc la prise en charge des personnes âgées ou des handicapés. Alors on peut peut-être rappeler en même temps, Emmanuel Michael, qu'il y a déjà 4 branches à la sécurité sociale. Donc vous voulez les rappeler ? Oui, tout à fait. Donc il y a la branche maladie, donc l'assurance maladie, la branche famille. Donc la branche maladie couvre les frais d'hospitalisation, de consultation médicale et de remboursement des médicaments. C'est bien ça, la caisse d'allocation familiale, donc auprès desquelles je travaille, donc qui prennent en charge toutes les prestations familiales liées à la législation en termes de protection sociale, en termes de famille. Voilà, là c'est par exemple l'APL ou le RSA. Voilà, le revenu de solidarité, l'allocation à l'adulte handicapé également, et toutes les allocations familiales de façon plus générale. Je précise également que pendant cette situation de coronavirus, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement et qui ont été justement prises en charge par les caisses d'allocation familiale,
notamment une prime pour les bénéficiaires des minima sociaux, donc qui peut aller à peu près autour de 120 euros, également pour les bénéficiaires d'APL, et une prime qui a été versée par l'action sociale des caisses d'allocation familiale en fonction des compositions familiales de 1 200 euros. Donc c'est quand même pas rien, et on voit en fait que la sécurité sociale dans son ensemble fait face à cette pandémie et à la possibilité de s'ajuster, de travailler de façon assez réactive, hein, malgré ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est pour ça que je souhaite saluer tous mes collègues qui font un travail dans ce contexte très, très difficile, un très bon travail de réactivité. Un autre risque qui est lié, c'est tout ce qui est cotisation sociale, donc tout ce qui est en lien avec les URSSAF. Et le quatrième, on est sur la protection sociale au niveau du chômage, il me semble que ça... Au niveau des maladies professionnelles et des accidents du travail. Voilà. Enfin, dernière info du jour, conduire avec son téléphone pourra entraîner un retrait du permis de conduire. Donc attention, si on vous surprend au volant de votre voiture, un téléphone à la main et que vous commettez en même temps une infraction, genre excès de vitesse, refus de priorité ou non-respect d'un arrêt de feu rouge ou un stop tout simplement, eh bien votre permis sera suspendu pour une durée de 6 mois au maximum, sans compter les amendes et les retraits de points cumulés. Et ça, même si vous avez des oreillettes. Donc attention, ça y est, c'est parti. Allez, tout de suite, on va faire une petite pause musicale. On va vous emmener sur une promenade et puis on vous retrouve dans quelques minutes avec nos invités du jour. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. C'est une nouveauté, ça, qu'on a reçu samedi pour l'émission d'hier. C'est pas mal, c'est de la dance. C'est pour ça que j'étais en Excusez-moi, je voulais pousser. Tu me diras qui c'est ? Tiens. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? C'est bien ici, mon frère. Ah oui. Il est là ? Ok. Je savais plus. C'est dit, ok. Nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Anne Chèvre, qui représente l'association Lyon's Club, d'Emmanuel Michael, qui est conseiller municipal d'opposition et conseiller communautaire à Plaine-Vallée, donc conseiller municipal d'opposition pour Saint-Gratien, et puis de Christelle Paulus, qui a créé une entreprise en 2019, c'est la société Linifia, et nous parlerons avec elle de la démarche RSE. Alors, Anne Chèvre, vous avez développé beaucoup d'actions dans le cadre du Covid. Oui. Et donc, c'est de toutes ces opérations que j'aimerais que l'on parle en ce moment. Alors, déjà, peut-être vous pouvez nous indiquer où se trouve, de quelle association Lyon's Club, parce qu'il y en a beaucoup en France, vous êtes. Alors, en effet, vous m'avez invité pour parler du Lyon's Club et de ses actions pendant le Covid. Donc là, je représente aujourd'hui le Lyon's Club Argenteuil Impressionniste, donc qui est basé sur Argenteuil. Et c'est vrai qu'en cette période de Covid, nous nous sommes intéressés à différents secteurs qui pouvaient avoir besoin d'aide. Un petit rappel quand même sur le Lyon's Club. Donc le Lyon's Club est un club service international.
Donc, club, c'est-à-dire un groupe de personnes venues de tous horizons, mais avec des valeurs communes qui sont l'amitié, la tolérance et l'altruisme. Le service, notre devise, c'est « nous servons », et international, comme vous l'exprimez, c'est un club qui est représenté dans tous les pays, donc il y a une grande puissance. Alors votre club, parce que habituellement, souvent les clubs Lyon sont plutôt masculins, il est mixte, il est féminin ou il est... Notre club est mixte, voilà, et c'est très bien, voilà. Et c'est, voilà. C'est un des rares en France, non, à être mixte, non? Non, c'est une tendance qui se développe. Le Lyon Club beaucoup. S'ouvre aux femmes. Oui. Alors, on est content de le savoir. Il y en a dans beaucoup de villes, je pense qu'à Amiens, bien sûr, il y en a, à Saint-Gratien, sûrement. Il y a certains clubs qui sont encore que masculins et il y a certains clubs qui ne sont que féminins. Et ça fait est-ce que ça fait longtemps que vous êtes membre du Lyon Club, Anne-Chèvre? 20 ans. 20 ans. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'on fait en général? Quelles sont les missions que vous faites dans votre club? J'exprimais l'amitié, donc déjà nous nous réunissons. Et puis, notre objectif, donc, c'est d'aider toutes les associations locales qui ont des besoins. Entre autres, nous nous intéressons aux enfants en difficulté et aux personnes âgées. Voilà. Donc, on essaye de cibler et de rester sur le secteur d'Argenteuil. Donc, notre but premier, c'est bien sûr de ramasser des fonds. Et puis ensuite, nous redistribuons à des structures qui existent déjà, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école Casanova pour les malentendants, que ce soit les classes intégrées, que ce soit, enfin voilà, tout, mais des structures qui existent déjà en aide. Donc, première opération, c'est d'aider les enfants en difficulté. Quel type de difficulté? Alors, par exemple, les malentendants. Donc, un exemple, ces enfants, quand ils partent en vacances, ont besoin d'un encadrement un petit peu augmenté. Et donc, ce sont des colonies qui coûtent plus cher. Et parfois, les parents ne peuvent pas suivre. Et donc, nous aidons là financièrement. Des enfants handicapés, nous avons financé un mur d'escalade pour handigrimpe. Dans les classes intégrées, donc ce sont des classes qui sont au sein d'écoles dans Argenteuil et qui créent des ateliers. Un exemple, un atelier couture dans une des écoles d'Argenteuil, et donc nous avons fourni la machine à coudre et du matériel. Voilà. Donc on essaye d'aider en aidant des associations. Donc toujours des associations dans la zone d'Argenteuil, puisque c'est là où votre club est basé, bien sûr. Alors là, donc vous nous avez dit que votre deuxième objectif ou mission, si je puis dire, c'est d'aider les personnes âgées. Donc là, vous avez été servi avec la pandémie, alors, j'imagine. Voilà. Alors donc on s'est intéressé aux EHPAD d'Argenteuil. Et bon, il y a des EHPAD qui n'ont pas trop de besoins parce qu'il y a un certain niveau. Et puis, on a appelé et, par exemple, il y avait ce souci de communication entre les personnes qui étaient dans l'EHPAD et leur famille. Voilà. Et une de ces maisons de retraite n'avait qu'un petit téléphone comme moyen de communication. Donc, nous leur avons proposé de fournir des tablettes. Et donc, nous nous sommes intégrés, d'ailleurs, dans un mouvement lancé par le Lyon's Club de fourniture de tablettes. Et donc, cet organisme a acheté des dizaines et dizaines de tablettes et on a pu les offrir dans cette maison de retraite. Un autre souci dans les maisons de retraite, c'est l'occupation. Donc les personnes se retrouvent un petit peu... Vous voulez dire la répartition de ce qu'on fait dans le temps, dans la journée? Voilà, c'est ça, les activités. Et donc un de nos membres a eu l'idée de fournir, c'était très ciblé parce que c'était pour les dames, des petits kits de tricot. Donc on fournissait les petits pelotes, le tuto, et on demande à ces dames de fournir des petits carrés. Représentant un sourire, soit ce petit carré, soit elle l'offre, soit on va les collecter en fin de confinement et on fabriquera des petites couvertures que l'on distribuera en pédiatrie ou en néonat à l'hôpital. À l'hôpital. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de dames qui savent encore tricoter? Est-ce que le tricot est à la mode? Eh bien, ma foi, oui, parce que nous avons quand même fourni plus de 100 petits kits sur la ville d'Argenteuil. Alors, après, sur chaque maison de retraite, il y avait entre 3 et peut-être 6 tricoteuses. Pourquoi pas des messieurs, d'ailleurs, mais voilà. Mais voilà, on a distribué plus de 100 petits kits.
Oui, donc c'est pas mal. C'est et pas avec mal. Ces 100 petits kits, combien vous pensez avoir combien donc, pensez-vous aller pour 100 kits, ça fait 100 petits carrés. Donc on verra, parce que souvent les personnes les gardent ou les offrent. C'est un petit peu comme une carte d'amitié, si vous voulez. Et puis celles qui ne seront pas utilisées ou distribuées, on ne les récupère pas. Voilà. Et donc les maisons de retraite ont été demandeuses parce que c'était une petite activité très simple. Hein, voilà. Très simple, oui. Voilà. On fournissait le matériel. Est-ce que vous allez continuer à le faire? Où est-ce que vous êtes fourni pour tout ce matériel? Comment vous l'avez trouvé? Écoutez, un des membres a acheté les pelotes et puis a mis sa famille et ses amis à contribution et on a fabriqué nos petits. D'accord, donc toujours du don de soi en fait, ouais. À la base. Ouais. Et voilà. Et donc cette opération, elle va se poursuivre? Eh bien, on espère. Et comme on a fait le tour des maisons de retraite d'Argenteuil, on aimerait bien l'étendre à d'autres villes. Parce que ça peut être une activité hors Covid, hein, bien sûr. Donc vous allez la proposer à d'autres Lions Club, c'est ça? On va essayer. Et en effet, c'est une action qui a eu du succès et d'autres Lions Club sont intéressés. Alors, vous avez fait aussi d'autres choses pour cette opération spéciale Covid, j'allais dire? Alors, concernant les EHPAD, on a eu la chance d'avoir un don de fleurs d'une fleuriste d'Argenteuil, qui est d'ailleurs installée à Enghien, qui habite Argenteuil, qui nous a offert vraiment un gros stock de fleurs que nous avons distribué aussi dans les EHPAD. Voilà. Alors, concernant ça a dû leur faire plaisir, un rayon de soleil, parce que les pauvres, on pense quand même bien à eux, parce qu'être confiné comme eux l'ont été, c'est énorme. C'est énorme d'être enfermé dans sa chambre, ne pas pouvoir sortir que dans les couloirs. C'est toujours très apprécié. Alors, un autre domaine qu'on a essayé d'aider, c'est le personnel soignant de l'hôpital d'Argenteuil. Et alors, sur une idée d'un club voisin, qui est d'ailleurs notre club parrain, le club de Cormeil, nous avons participé à la location de 2 voitures pour le personnel soignant venu de province. Parce que ces personnes se trouvaient sans moyen de locomotion, étaient obligées d'utiliser les transports en commun, ce qui n'était pas facile vu la surcharge de travail. Et donc, on a participé à la location de 2 voitures, tout d'abord pendant 1 mois, et puis on a prolongé sur 2 mois jusqu'à la fin du confinement. Les voitures, d'ailleurs, sont vendues aujourd'hui. Voilà. Et alors, ces voitures ont permis de faire quoi? Eh bien, est-ce que c'était une voiture sans chauffeur, confiée à quelqu'un ou bien... Oui. Donc, après, l'hôpital a géré le prêt et donc devait le confier à des personnes qui en avaient besoin pour se déplacer, pour bien éviter sûr. Les transports en commun, surtout la nuit. Voilà. Autre chose, à plusieurs dames. Nous avons participé à la confection de blouses jetables et de masques. Alors pour les blouses, nous sommes intégrés dans un collectif qui s'appelle Blouses Solidaires, qui a fabriqué, vous avez peut-être en avez entendu parler, qui a fabriqué des milliers et des milliers de blouses jetables qui ont été remises dans différents hôpitaux, entre autres Argenteuil. On en a parlé à ce micro, j'ai même fait un appel aux couturiers qui voulaient bien rejoindre ce collectif. Ça a été un mouvement absolument incroyable. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui cousent finalement. Oui. Voilà, c'est ça qui est bien. Et on a fabriqué aussi des masques. Alors pour l'hôpital d'Argenteuil, qui était en manque de masques. Alors pas de masques, pas des masques pour le personnel soignant, mais pour le personnel collatéral, c'est-à-dire les secrétaires, les cuisinières, dans les bureaux. Oui, dans, bien sûr, puisque ce n'était pas des masques aux normes FFP2, évidemment, c'était des masques en tissu. Tous, voilà. Alors des masques pour l'hôpital, des masques pour la mairie aussi. Voilà. Donc ça, c'était pour les couturières du club. C'était du temps. On a aussi fait un don à un organisme qu'on appelle la Fédération. C'est une structure un petit peu financière du Lions Club. Et ces dons ont permis d'acheter du matériel plus conséquent, des appareils pour dépister l'immunité. Voilà. Donc, voilà. Vous avez fait beaucoup de choses en fait, c'est incroyable tout ce que vous avez fait pendant ces 2 mois aussi vite. Donc nos réunions étaient avec, c'est peut-être de la publicité, mais sur Zoom. Voilà, donc on arrivait à se réunir. Finalement, vous avez fait tout ça à distance. Hein. Oui. Ben donc les membres. Parce qu'on n'avait plus de réunion. Normalement, on a une réunion tous les 15 jours, mais là, on a fait ça à distance. Voilà. Et alors, dans notre troisième domaine, on a compati sur le sort des commerces locaux, entre autres des marchés.
Et on s'est intégré dans le collectif du petit marché de la colonie. Et chaque commerçant proposait une liste de produits. Donc on commandait sur Internet et les commerçants livraient. Donc on a essayé de participer à aussi aider ces personnes. Pour aider les commerçants à tenir, oui. En tout cas, oui. Et pour pas qu'ils voilà. ferment. Et on aimerait bien d'ailleurs que ce collectif continue parce que c'était très pratique de commander sur Internet et puis de recevoir à la maison. Eh bien voilà comment on se rend compte qu'Internet est indispensable, oui. Et qu'on peut commander et se faire livrer au lieu de faire la queue au marché. Et du coup, vous êtes rapproché de la mairie pour aussi, vous étiez en boucle avec la mairie pour faire connaître cette opération pour aider les commerçants. Non. Le collectif du marché a été très actif et libre à eux. Alors ils ont un site et puis libre, je ne sais pas ce qu'ils ont fait vis-à-vis de la mairie. Voilà. Alors, vous avez aussi fait une autre opération, vous faites aussi une autre opération, c'est les boîtes SOS. Alors, expliquez-nous ce que c'est. Alors, ça, c'est une action que nous avons lancée déjà depuis quelques temps. La boîte SOS Lyon, c'est une petite boîte en plastique qui sert en cas d'urgence. Dans cette petite boîte, il y a un questionnaire très succinct concernant la personne, avec le nom du médecin, les membres de la famille à prévenir, quelques indications sur la santé. Il y a une question qui est très, moi, qui me plaît beaucoup, c'est que faire du chien quand il y a un problème. Cette petite boîte, on la met dans le réfrigérateur. Elle est destinée aux personnes qui sont isolées, quel que soit l'âge, à partir du moment où on est seul chez soi. Et quand les pompiers arrivent, en cas d'urgence, on ne le souhaite pas, ils savent qu'il y a cette petite boîte dans le réfrigérateur et ça donne les premières indications d'urgence. Ça permet de sauver ou de raccourcir le délai en cas de problème. Donc je répète ce que vous avez dit, en fait c'est un questionnaire qu'on met dans son frigo. Oui. Pourquoi dans le frigo ? Eh bien parce que tout le monde a un frigo. Voilà. Et que c'est facile à trouver pour les pompiers. C'est facile à trouver. Alors comment les pompiers savent-ils qu'il y a cette petite boîte dans le réfrigérateur ? Parce qu'on distribue en même temps un petit autocollant qui est collé derrière la porte d'entrée, pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Donc le pompier rentre, ou le SAMU, ils sont bien sûr tous prévenus, ils voient ce petit autocollant derrière la porte, ils savent que dans le réfrigérateur il y a une petite boîte. Une petite boîte par personne. Et donc, par exemple, pour une famille qui a 4 personnes, il faut 4 petites boîtes. Les familles à 4 personnes ne sont pas isolées, donc elles en ont moins besoin qu'une personne seule. Mais une personne seule, ça peut être une personne de 20 ans ou une personne de 90 ans. Et donc, dans ce questionnaire, est-ce que l'on demande des informations confidentielles ? Qui le remplit ? Est-ce que c'est le médecin ou est-ce que c'est chacun ? Alors, les informations de base, telles que les membres de la famille, le nom du médecin, l'hôpital où on désire être mené, ce sont des informations générales. Concernant la santé, c'est vraiment très succinct. Et en effet, il y a ce problème de réactualisation de ce petit questionnaire. Il peut être rempli par la personne, il peut être rempli par le pharmacien, il peut être rempli par le médecin. Ces petites boîtes sont distribuées gratuitement. C'est une action du Lions Club et elles sont distribuées dans toutes les pharmacies d'Argenteuil. Pourquoi Argenteuil ? Ben parce que le Lions Club d'Argenteuil s'en est occupé. Le Lions Club de Cormeil s'est occupé de cette distribution sur Cormeil. D'autres villes le font, mais par exemple, je ne sais pas si à Enghien, il y a cette opération. Donc vous ne savez pas dans le Val d'Oise, quelles sont les villes qui font cette opération ? Je pourrais savoir, mais je ne le sais pas. Aujourd'hui, on n'a pas l'information. En tout cas, c'est très intéressant, cette boîte SOS. Est-ce que pour nous, si on va en pharmacie, si on habite Argenteuil ou Cormeil en Parisie, c'est payant ou... Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc il suffit juste de la demander. Voilà. Et il y a des petits panneaux indiquant que l'on a distribué dans les pharmacies. On a distribué peut-être 50 petites boîtes par pharmacie. Elles ont toutes été distribuées et donc on les réapprovisionne régulièrement. Voilà, pour les personnes isolées, on va répéter, c'est pour les personnes isolées. Donc ça, c'est une opération de la boîte SOS qui permet aux pompiers de savoir quelles sont les personnes à prévenir, les médecins traitants, les premières maladies éventuellement chroniques. Le questionnaire médical est très succinct. Hein, voilà. Une autre information, c'est où la personne a mis sa carte vitale, par exemple. Parce que quand un pompier arrive dans un appartement ou dans une maison, où sont les papiers de la personne ? Oui, c'est la première chose qu'il demande. Voilà, ce sont des renseignements de base.
Bien sûr. Et cette opération boîte SOS, est-ce qu'elle va durer toute l'année et sur plusieurs années? Oui, enfin, et elle se développe dans toute la France. Alors, il y a des communes du Nord qui en ont. On a été sollicité par des pompiers de l'Est parce que c'est un principe qui plaît beaucoup. C'est un petit peu l'équivalent d'une petite carte qui est distribuée par les mairies que l'on met dans son portefeuille avec les premières indications, son groupe sanguin, les allergies. Et on a tous dans son portefeuille cette petite carte. Mais là, c'est pour les... On trouve la petite boîte qui est distribuée dans les maisons. Et par contre, évidemment, c'est confidentiel puisque vous n'avez pas la liste des gens qui l'ont récupéré. Non. Donc ça, on peut dire que vous respectez la confidentialité de chacun. Le petit autocollant indiquant qu'il y a la petite boîte est à l'intérieur de l'habitation. Et alors que vous appelez ça une boîte SOS, parce que c'est vraiment une boîte qu'on met dans son frigo ou c'est juste un questionnaire? Non, c'est une petite boîte. Je peux vous la montrer? Tout à l'heure, on la montrera. Oh, bah, écoute, merci beaucoup en tout cas Anne Chèvre d'être venue présenter toutes ces opérations magnifiques que vous avez faites pendant la pandémie. On se demande même comment vous avez fait tous à distance pour pouvoir organiser tout ça. Et puis bravo pour l'action boîte SOS, on va répéter. Donc c'est une boîte pour les personnes isolées, quel que soit l'âge, qui permet aux pompiers d'avoir de toute façon tout de suite les premières informations. Alors qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter Anne Chèvre pour le futur au Lions Club d'Argenteuil? Que le club s'agrandisse et qu'on ait de nouvelles idées pour ouvrir notre champ d'action. Donc vous recherchez des hommes et des femmes bénévoles qui habitent Argenteuil, bien sûr, et qui voudraient se porter volontaire avec vous. Ce n'est pas un appel financier, c'est un appel à la bonne volonté, au temps et aux idées. Certes, mais il y a sans doute un abonnement je suppose. Quel est le montant de la cotisation? Il y a une cotisation, comme toute association, qui est de 90 euros par semestre et qui couvre à la fois la cotisation locale, nationale et internationale. Parce qu'on fait donc ça reste très, très abordable, 90 euros par semestre. Voilà. Après, il faut quand même rajouter les soirées restaurants quand nous avons des réunions. Alors, c'est la question que j'allais vous poser parce que vous avez dit en introduction qu'il y avait, c'était quand même des rencontres d'amitié au départ. Combien faites-vous de soirées par an? Alors, nous avons un dîner tous les 15 jours, soit au restaurant, soit chez les uns, soit chez les autres. D'accord. Donc, c'est vraiment ça, la base des réunions. Et vous vous réunissez plus en dehors de ces restaurants, de ces journées, ces soirées de restaurant ou de dîner ensemble? Plus, c'est-à-dire plus souvent. Est-ce que vous les réunissez plus souvent? Non, c'est tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Et donc, en fait, vous faites tout au cours de ces repas? Oui, ce sont des séances de travail. Et peut-être tous les 2 mois, ou tous les 2 mois, oui, nous avons une soirée culture, c'est-à-dire que nous avons un invité, et donc avec conférence, et voilà, c'est un petit peu une ouverture. Sur tous les thèmes possibles. Sur tous les thèmes possibles. J'imagine. La précédente était sur la médecine au temps de la civilisation arabe, du 7e au 10e siècle. La prochaine devait être sur l'homéopathie, mais malheureusement, elle a été annulée. Mais ça sera remis à la rentrée. Bien sûr. Donc, en fait, en même temps, quand on est au Lions Club, on se cultive grâce à toutes ces conférences. Merci Anne Chèvre d'être venue nous présenter toutes ces opérations Covid. Bravo, on peut dire, au Club d'Argenteuil. Et puis, je rappelle, la boîte SOS pour toutes les personnes qui sont seules, que vous soyez jeunes ou moins jeunes, eh bien, à mettre dans vos frigos et c'est gratuit. Vous la procurez en pharmacie sur Argenteuil et Cormeil en Parisie. On va faire une petite promenade musicale et on revient dans quelques minutes. Ça, c'est... Attends, je l'envoie. Merci beaucoup. Je vous en remercie. C'est gentil. Marie Comté en hommage. C'est Christophe qui m'a demandé de passer. Voilà, vous voyez, c'est une petite boîte comme ça. Je montre, parce que...
peu. Allez, bon, on va essayer, je vais essayer. J'ai essayé, mais apparemment. T'as commencé ? Non, mais c'est juste le flash en fait. Je croyais que c'était. Je pense que là, j'ai un point de son. Un copain qui s'appelle Spadgeri, peut-être qu'il va rester. Oui, okay. Ce que j'avais dit. En fait, le son n'est pas très bien installé. Vous avez dû avoir, là avec le télétravail, c'est vraiment des nouveaux systèmes d'évaluation du coup de la RSE. Bah, l'évaluation, là, je ne sais pas si c'est encore tout de suite. Oui, c'est pas tout de suite, mais en fait, ça a vraiment innové au niveau des conditions de travail. Christelle, je peux vous demander tout à l'heure, quand on va reprendre, de montrer ça à la caméra parce qu'elle ne l'avait pas sorti. Donc, très bien. Merci. Décalez un petit peu votre chaise par là-bas, c'est trop... Voilà. Approchez-vous peut-être un peu plus. Si tu veux y aller, c'est tout de suite. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, sur IDFM Radio Anguin, nous sommes en compagnie d'Anne Chèvre, qui représente l'association Nuance Club d'Argenteuil, de Christelle Paulus, qui a créé sa société en 2019, et on va parler de RSE ensemble, et puis d'Emmanuel Michael, donc, qui est conseiller municipal d'opposition à Saint-Gratien en Val-d'Oise et conseiller communautaire, qui est président aussi du mouvement démocrate Val-d'Oise, le MoDem, et qui est responsable du service de protection sociale à la CAF du 95. Alors, avant de vous passer la parole, Emmanuel Michael, peut-être on va montrer à la caméra cette petite boîte qui est gratuite et qu'on trouve dans les pharmacies. C'est la boîte Lyons Club. Si on l'ouvre, à l'intérieur, il y a un dépliant qui est donc de format A4 tout simplement, et dans lequel il y a ce fameux questionnaire pour les personnes seules que vous devez mettre à l'intérieur et dans votre frigo, et ça permet aux pompiers de savoir les premiers soins à vous donner en cas de pépin. Et ça, c'est vraiment très bien, et je rappelle que c'est gratuit. Merci Christelle pour cette démonstration. Alors Emmanuel, Michael, confinement, déconfinement progressif, comment l'avez-vous ressenti, comment l'avez-vous jugé? Comment je l'ai ressenti à titre personnel, ça s'est plutôt bien passé, même si, comme vous l'avez indiqué, donc, je suis élu à Saint-Gratien et j'ai mené campagne au mois de mars, donc campagne qui s'est conclue le soir du 15 mars avec l'élection de M. Bachar, mais dans des conditions très compliquées pour l'ensemble des candidats et des bénévoles qui se sont engagés pour faire vivre notre démocratie. Moi, c'est un peu compliqué puisque du jour au lendemain, en fait, j'ai été confiné. J'ai passé quasiment des mois et des mois dehors pour mener cette campagne, aller à la rencontre des habitants de la ville. Et du jour au lendemain, en fait, j'ai été complètement confiné chez moi. Donc, ça a été assez difficile puisque j'avais deux mois intenses de campagne et tout d'un coup se retrouver tout seul, c'est ça que vous voulez dire ? Exactement. C'était dur ? Ça a été difficile dans les premiers temps. Bien sûr, la déception aussi des résultats, mais surtout le fait de ne plus voir de monde, c'était vraiment ça le plus difficile. Donc bien sûr, on a utilisé les outils numériques à notre disposition, comme je pense beaucoup de personnes aujourd'hui, donc notamment le téléphone, mais aussi tout ce qui est visioconférence pour permettre de garder du lien, que ça soit de façon amicale avec nos proches, avec la famille, mais également dans le travail, puisque j'ai repris le travail en fait dès le lundi suivant l'élection. Ce qui fait que j'ai été remis dans le bain assez rapidement et on a dû s'adapter de cette façon-là. Après, à titre plus global, parce que je suis un petit peu multicasquette en étant élu d'une part, mais également responsable d'un parti politique départemental et responsable d'un service de protection sociale, j'analyse le déconfinement qui a été souhaité par le président de la République de façon progressive, plutôt positif, aussi bien dans le confinement, puisque ça a été... respecté sur le département. Je salue l'ensemble de nos concitoyens qui ont vraiment pris leurs responsabilités, qui ont limité autant que possible leurs déplacements. C'est vraiment
On reproche souvent aux Français son incivilité, et je pense que justement là, on a prouvé que c'était pas forcément le cas, que c'était pas le cas. On avait cette capacité à prendre nos responsabilités, et c'était très important, on l'a vu sur le département. Pour ce qui est du déconfinement progressif, on le constate, les gens reprennent un peu plus confiance dans les conditions sanitaires, on respecte bien les gestes barrières. Et c'est peut-être ça qui est important, c'est qu'il faut se dire que dans cette progressivité, il y a aussi une anticipation. Parce que, comme vous le disiez en introduction, il y a toujours ce risque de seconde vague qui plane sur nos têtes, mais la première vague n'est pas terminée, puisque là, on est dans cette phase de déconfinement, mais il y a toujours des personnes qui sont hospitalisées, il y a toujours de nouveaux cas qui interviennent, donc il faut garder en tête qu'on est toujours dans une situation de pandémie. Et à ce titre-là, il faudra garder les gestes barrières, garder les masques, garder tout ce qu'on peut mettre en application pour permettre d'éviter que l'épidémie ne se propage et qu'elle puisse affecter notamment les personnes les plus vulnérables auxquelles on pense, bien sûr. Moi, j'ai une pensée sincère et affectueuse pour toutes les personnes qui ont vécu, qui ont eu cette maladie pendant le mois de mars ou avant, parce que c'était vraiment une période de pleine incertitude où ce virus était multifacette, on ne savait pas vraiment comment il évoluait, on ne savait pas du tout comment il allait évoluer et ce qu'il pouvait avoir soit comme symptôme et soit comme finalité. On a eu des personnes qui ont été malades, qui ne savaient pas ce qu'ils avaient. Chaque personne avait une sensibilité différente au virus. Et là, on était dans une véritable inconnue et des gens qui ont perdu des proches n'ont pas pu mener un deuil réel puisque on a été tout de suite confinés et c'est vrai que c'était très compliqué. Donc j'ai vraiment une pensée très affectueuse pour les personnes qui l'ont contracté, pour les personnes qui ont perdu des proches dans cette situation-là. Donc voilà, vraiment, j'insiste sur ce point-là puisque j'ai notamment des personnes dans mon équipe de campagne qui ont eu des proches affectés et c'est très difficile pour un responsable politique de se dire que peut-être que d'une certaine façon, on est responsable de cette prolifération du virus. Bien sûr, on n'en était pas conscient. Lorsque l'on a mené cette campagne-là, on n'en était pas conscient du tout. Mais on sait que à la rencontre des habitants, on a quand même exposé les gens. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le choc du résultat des élections pour vous, puisque vous avez perdu, entre guillemets, les élections et vous vous retrouvez conseiller municipal d'opposition. Comment ça se passe? Est-ce que c'est dur, une campagne? C'est extrêmement éprouvant pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je les invite à essayer, puisque d'une part, ça fait vivre notre démocratie. Et c'est le plus important. Moi, c'est vraiment l'essence de mon engagement politique, puisque j'ai aucun lien de près ou de loin avec la politique dans mon entourage familial. Mais je m'y suis intéressé progressivement, on va dire. Tout d'abord, par l'engagement associatif. Et c'est vrai que dans l'associatif, on a cette possibilité de rencontrer des élus, d'échanger, de voir un petit peu comment fonctionne le système politique français. Et ça permet de se projeter. Et c'est vraiment une expérience très éprouvante, mais extrêmement positive dans le sens où on rencontre beaucoup de gens. On se rend compte de l'espoir que les habitants mettent dans leurs représentants politiques. Et même si c'est... L'espoir est engageant et il nous implique, il nous engage à faire des choses. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un désamour du français avec les institutions, avec les politiques de façon générale. Mais l'engagement local, en politique locale, en fait, il permet de recréer du lien. De recréer du lien entre les élus ou les candidats et les citoyens. Et c'est quelque chose de très positif à mon sens. Et vraiment, j'invite toutes les personnes qui le souhaitent à s'engager en politique parce que pour faire changer les choses, il n'y a pas de miracle. Alors, j'imagine que quand on se porte candidat, on a sans doute peut-être des moments de doute pendant la campagne. Donc, il y a des hauts et des bas, mais d'un autre côté, il faut avancer. Donc, comment ça se passe? Expliquez-nous. On a des moments de doute, de toute façon comme dans tout engagement, je pense, que ça soit sur le plan professionnel ou sur le plan associatif. La particularité de la campagne municipale, c'est la capacité qu'on doit avoir à gérer l'équipe en même temps qu'on fait campagne. Donc, bien sûr, dans des échanges qu'on peut avoir avec les habitants, parfois ça peut être houleux,
où ça peut être très positif. Donc ça nous motive aussi. Moi, je peux vous dire que dans certains échanges que j'ai eus avec les habitants de Saint-Gratien, parfois j'avais le sentiment d'être attendu comme le Messie. Et je me disais, mais la responsabilité que j'ai sur mes épaules par rapport à l'échange que j'ai avec la personne, c'est incroyable, je ne mérite pas tant d'espoir en fait. Et c'est là que ça me donnait encore plus la force, ça transcende en fait d'une certaine façon l'être humain pour donner l'envie de s'engager davantage, d'aller toujours plus loin. Et même si, bon, vous le savez bien, dans une campagne politique, on ne dort pas beaucoup, donc on a encore plus à fleur de peau, on est très stressé parce qu'on a beaucoup de choses à gérer, que ce soit dans l'organisation de la campagne, dans la gestion de l'équipe, et voilà, dans les échanges qu'on peut avoir, avec des fois les opposants, donc c'est pas évident, mais véritablement, pour moi, c'est vraiment une super expérience, donc c'est quelque chose qui m'a galvanisé, en fait, d'une certaine façon, et quand je vois les résultats, je vois qu'il y a des personnes qui nous ont fait confiance, on a fait un bon score pour une première campagne, puisqu'on a fait 20%, on arrive deuxième sur la ville de Saint-Gratien. Donc c'est pas rien, on sent que les personnes ont envie de changement, ils ont envie d'un regard peut-être nouveau de leur représentant politique, de leur ressembler davantage. Et ça, c'est quelque chose moi qui m'a vraiment beaucoup plu, qui me transcende d'une certaine façon. Et pour moi, la politique ne s'arrête pas là, ça n'arrête pas là. C'était pas une fin en soi, mais en tout cas, on fera... Alors justement, Emmanuel Michael, vous vous êtes présenté à Saint-Gratien, vous venez de le dire, vous avez fait un score de plus de 20%. Vous avez donc, vous êtes combien de votre équipe à être élu? Et puis, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Comment ça s'est passé suite à l'installation? Est-ce que vous allez avoir des délégations dans quelques domaines? Lesquels? Alors pour le moment, donc nous on a été élus, on est deuxième sur la ville, donc on a trois élus d'opposition, que j'aime mieux appeler des élus minoritaires dans le conseil municipal. Et il y a trois autres conseils municipaux d'opposition, donc deux de la liste qui arrive troisième et une élue pour la quatrième liste. La cinquième liste ne nous fait pas d'élus car elle ne fait pas 5%. On va pouvoir exister au sein de ce conseil municipal de différentes façons, tout d'abord en siégeant au conseil municipal, mais également en participant aux commissions qui sont gérées par l'équipe municipale actuelle. Les commissions ne sont pas encore définitives, en tout cas n'ont pas été exposées de façon claire et définitive lors du premier conseil municipal. On a un deuxième conseil qui va se dérouler le 4 juin, donc on en saura davantage et on verra aussi, selon les conditions sanitaires, de quelle façon vont fonctionner les commissions et les prochains conseils municipaux, parce que le premier était quasiment à huis clos, puisqu'on avait que 4 personnes qui n'étaient pas des services municipaux ni des élus qui ont pu y assister. Donc ça va évoluer progressivement. Ensuite, on essaiera bien sûr de se faire entendre au sein de ce conseil municipal, même si en étant minoritaire, on ne sera pas décisionnaire. Ça n'empêche qu'on pourra proposer des choses. Et comme je le dis souvent, en fait, dans un conseil municipal, je pense qu'il ne faut pas fonctionner en termes de majorité et de minorité. Il faut qu'on se dise qu'on est tous dans l'intérêt général. Et les 20% que je réalise sur la ville, qu'on réalise avec l'équipe, c'est presque 1000 personnes. Donc, quand on fait de la politique, il faut penser à l'intérêt général et pas forcément penser aux personnes qui ont voté pour nous, parce que sinon, on ne fait plus de la politique, on est sur du clientélisme. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite mener, ce n'est pas le message qu'on souhaite passer. Moi, je serai conseiller municipal pour l'ensemble des habitants de la ville. Peu importe celui qui a voté ou pas voté pour nous, moi, s'il y a des choses que je peux faire monter au conseil municipal, des combats à mener parfois, je le ferai, qu'on ait voté pour moi ou pas. Donc je corrige ce que j'ai dit, vous n'êtes pas, c'est ce que vous venez de dire, vous n'êtes pas un conseiller municipal d'opposition, mais minoritaire, donc vous allez travailler main dans la main avec toute l'équipe de Julien Bachard, c'est bien ça qu'on a compris. Possible, tout à fait. Est-ce que vous avez des domaines de prédilection? Quels sont-ils? Alors moi, les domaines de prédilection, c'est ceux qui sont le plus en lien avec mon métier, puisque en tant que responsable d'un service de protection sociale, moi, il y a certaines choses sur lesquelles j'ai plus d'aisance que d'autres. Après, j'ai un parcours un peu particulier, donc je peux travailler sur pas mal de choses. Je suis bénévole associatif depuis 2013, bon, dans les domaines de la solidarité, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me porte et qui me plaît d'aller à la rencontre des habitants et de les aider dans les situations qu'ils traversent, notamment au travers de CCAS, puisque j'ai été bénévole pour des associations qui étaient entraînées par des CCAS auparavant. Donc bien sûr, c'est des choses qui vont me parler. La petite enfance également, puisque en tant que responsable d'un service de protection sociale, on est amené à travailler avec tout ce qui est prestations familiales et les partenaires également des caisses d'allocations familiales que sont les associations, les CCAS, les centres sociaux. Donc il y a, y a,
ce volet-là, vraiment le spectre social, mais de façon large, tout ce qui est politique de la ville, c'est des domaines qui me parlent déjà aujourd'hui, mais je ne suis pas avare de connaissances, j'aime apprendre, et voilà, il y a différentes commissions qui pourront tout naturellement m'intéresser, et je pourrais bien sûr travailler pour connaître davantage ce fonctionnement. Donc ça peut encore se discuter. Vous avez des réunions préparatoires avec Julien Bachard et son équipe? Alors, il y aura d'abord la présentation des commissions, et une fois qu'il y aura cette présentation-là, effectivement, il y aura un échange pour savoir qui peut travailler dans telle ou telle commission. Et là, à ce moment-là, je ne serai pas seul à prendre la décision, puisqu'il y a aussi mes deux autres colistiers qui sont élus, et on se répartira en fait les différentes commissions pour que on puisse siéger à toutes les commissions de la ville. De mémoire, il y en avait 11 ou 12 sur le précédent mandat, donc à voir si elles sont maintenues dans l'État, et qu'on puisse les répartir, bien sûr, pour qu'on puisse travailler ensemble ensuite avec les personnes qui étaient sur notre liste mais qui n'ont pas été élues, mais également avec tous les habitants qui souhaitent. Merci Emmanuel, Michael. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis ensuite on abordera le thème de la protection sociale à la CAF du 95. Puis après, c'est à vous. Là, 5 minutes, enfin, c'est quelques minutes, hein. C'est pas, on va pas tout détailler. Hein. Est-ce que je pourrais juste revenir sur les ouvertures d'école? Oui. Nous voici de retour au bar de l'économie. C'était une promenade musicale, comme d'habitude, sur IDFM Radio Anguin. Alors, nous sommes en compagnie aujourd'hui d'Anne Chèvre, représentante de l'association d'Argenteuil du Lions Club, et puis de Christelle Paulus, on va parler donc de RSE dans quelques minutes, et puis de Emmanuel Michael, conseiller municipal minoritaire à Saint-Gratien, et avec lequel nous parlions bien sûr des élections. Et avant de passer à un autre sujet, c'est-à-dire à la protection sociale à la CAF du 95, Emmanuel Michael, qu'avez-vous pensé? Comment ça s'est passé, les ouvertures d'école? Alors, pour les ouvertures d'école, déjà, je tiens à saluer ce qui a été proposé par le Premier ministre, donc d'ouvrir progressivement les écoles. J'insiste sur la progressivité parce que c'est important de dire qu'il a donné la main aux maires dans toutes les villes de France. Les maires ont pendant très longtemps souhaité plus d'autonomie, plus de marge de manœuvre dans les missions qui leur étaient confiées. Et justement, ça, c'est l'opportunité qu'ils ont eue pour l'ouverture des écoles, puisqu'ils sont décisionnaires, avec le préfet, bien entendu, mais ils sont décisionnaires d'ouvrir et de mettre en place les modalités pour ouvrir les écoles. Ça a été fait globalement très bien sur le département, puisqu'on a presque 80% des établissements qui ont pu ouvrir dans les villes. Certains maires ont fait le choix de la progressivité par rapport aux critères sociaux, et avec un travail qui a été mené avec les représentants de parents d'élèves, donc pour identifier les personnes qui sont peut-être plus en décrochage scolaire, donc pour prioriser leur entrée dans les écoles. C'était le cas notamment à Taverny, donc je souhaite saluer le travail qui est fait par Mme Portelli sur la ville de Taverny. La feuille de route est extrêmement claire. Les parents savaient à quelle date leurs enfants allaient rentrer à l'école et si ce n'était pas possible, savoir pourquoi, sur quels critères avaient été pris en compte pour travailler sur l'ordre de reprise. C'était moins le cas dans certaines villes, notamment sur Saint-Gratien et sur Franconville, où les deux maires ont demandé à ce que les écoles n'ouvrent pas en fait, au préfet dès le lendemain de l'annonce qui a été faite par Edouard Philippe. Donc sans prendre en considération cette notion de progressivité. Et c'est ce que je trouve dommage. Donc je suis d'accord sur le fait que le 11 mai, c'était peut-être prématuré pour reprendre et pour ouvrir
les établissements scolaires. Mais aujourd'hui, nous sommes le 25 et sur Saint-Gratien, il n'y a que 15 élèves qui sont accueillis. Donc il n'y a pas eu cette progressivité-là. On est sur le même schéma que pendant que à la suite du confinement, en fait. Donc c'est ce que je trouve un peu dommage. Et il y a eu cette absence de travail d'anticipation, j'ai le sentiment, sur Saint-Gratien, puisque moi, en tant qu'élu minoritaire, je n'ai pas du tout été consulté, aussi bien moi que mes collègues du conseil municipal. On pouvait l'entendre jusqu'à la fin du confinement, même si dans certaines villes, il y a eu la possibilité de mettre en place des visioconférences et des conseils municipaux, comme c'est le cas à Pontoise, des conseils municipaux qui se sont tenus en visioconférence. Donc pour les écoles, sur Saint-Gratien, il n'y a pas eu cette concertation-là avec les représentants de parents d'élèves. Et ça a été pointé du doigt par les représentants de parents d'élèves à tel point qu'un collectif de parents d'élèves s'est monté. Ils sont montés au créneau pour dire au maire qu'on souhaite être concerté. On a été élu par les parents d'élèves, on souhaite être concerté dans cette étape inédite en fait de la vie scolaire de notre pays. Et ça n'a pas encore été entendu, donc je souhaite que M. le maire vraiment prenne en considération cet appel-là, qui est un appel qui n'est pas un appel politique, qui est un appel vraiment de consensus en réalité, pour que chacun des parents puisse donner son avis, puisse savoir peut-être qu'il y a certaines situations qui nécessitent que les enfants retournent dans les établissements scolaires, que ce soit parfois des enfants qui sont dans des situations extrêmement précaires, des familles qui n'ont pas le choix que d'aller travailler, des parents qui n'ont pas le choix d'aller travailler. C'était mon cas quand j'étais plus jeune, donc je peux en témoigner. Quand les deux parents sont commerçants, il n'y a pas d'autre choix. Si on ne travaille pas, on laisse parfois les enfants seuls à la maison. Et ce n'est pas évident. Donc il y a ce critère social qui doit être pris en considération, les familles monoparentales également. Il y a plein de choses en fait qu'il faut prendre en considération et ne pas se dire cavalièrement « je n'ouvrirai pas les écoles ». Voilà, le message est entendu, je pense, ou en tout cas Julien Bachard, le maire de Saint-Gratien, l'a sans doute entendu. On pourra le réentendre sur notre chaîne YouTube « Barre de l'économie ». On va changer de sujet, on va parler avec Christelle Paulus de RSE. Vous avez créé une société en 2019 pour traiter de ce sujet-là. Alors, pourquoi et comment vous est venue cette idée? Et puis expliquez-nous ce qu'est la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Alors, donc la responsabilité sociétale des entreprises, hein, tout d'abord, c'est une démarche qui permet d'intégrer à l'activité économique de l'entreprise les enjeux sociaux, sociétaux et écologiques. Donc d'où m'est venue cette idée? Eh bien, il y a 10 ans, j'allais dire, hein, avec mon travail de thèse, tout simplement. Déjà, j'ai un engagement fort, moi, en matière de développement durable, donc je voulais vraiment faire avancer les connaissances, faire avancer les problématiques de la société en matière de développement durable et en matière de RSE. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de réaliser ma thèse dans une entreprise, dans une PME, justement, qui était engagée dans le développement durable, mais qui ne savait pas comment elle allait mettre en œuvre sa démarche au sein de son entreprise et au sein de ses éléments. Donc, elle a décidé de recruter un doctorant, entre guillemets, donc ce fut moi. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'ai piloté la démarche de l'entreprise pendant 3 ans. Donc on travaillait sur le référentiel ISO 26000, j'étais responsable RSE. En parallèle, donc, j'essayais d'identifier... Est-ce que c'était une grosse entreprise? Alors, expliquez-nous un petit peu le contexte pour qu'on comprenne comment... Alors c'était une PME de 49 salariés, donc voilà, qui avait envie de s'engager dans la démarche RSE, mais qui justement avait des difficultés pour le faire. Des difficultés pour le faire parce qu'en fait, quand on s'engage dans la démarche RSE, ça implique d'acquérir de nouvelles compétences en management, en pilotage. Souvent, c'est des compétences qu'on doit aller chercher en extérieur. Donc, on va chercher en formant les personnels, en recrutant du personnel spécifique ou encore en faisant appel à des cabinets de conseil spécialisés. Donc, ça a un coût quand même assez élevé. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette entreprise a décidé vraiment de recruter un étudiant. Parce que moi, j'étais étudiante à l'époque, bon, étudiante docteur. Donc, elle a réussi justement à s'engager dans la démarche en faisant appel à un étudiant spécialisé. Voilà. Donc... Et donc, du coup, cette entreprise a travaillé dans quel secteur pour mettre en place ? Voilà, dans l'événementiel. Donc, en fait, c'était un centre de congrès et un parc des expositions. Donc, c'est une filière qui est elle-même déjà très engagée dans la RSE. Ils avaient besoin, justement, d'affirmer leur engagement au niveau de leur territoire, mais aussi par rapport à leurs clients. Donc, ils ont choisi vraiment de s'engager dans cette démarche par le référentiel ISO 26000.
parce que comme vous savez, il y a énormément de référentiels. Ils ont choisi justement un référentiel international, qui est la ligne directrice de la RSE, pour justement construire leur démarche RSE. Alors, quand on veut construire une démarche RSE, vous avez dit que ça regroupe trois domaines assez compliqués, oui. Finalement. Comment faut-il s'y prendre et à partir de combien de salariés peut-on démarrer? Alors moi, j'allais dire, il n'y a pas de nombre de salariés limité, au maximum. Déjà, moi, je pense que c'est un engagement de la direction en premier lieu. Donc, on peut démarrer une démarche RSE à un salarié. Il suffit tout simplement de développer sa vision sur le plan économique, social, écologique et sociétal. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est intégrer les parties prenantes. Donc là, je dois avouer que même quand j'entendais les interviews, on est déjà, avec la démarche Covid, dans une démarche RSE, entre guillemets, puisqu'on est vraiment en train de se poser des questions par rapport à notre environnement, par rapport à nos parties prenantes. Donc même si le Covid, par exemple, a tendance à insister sur la dimension sociale de la RSE, on doit dialoguer avec nos parties prenantes, avec nos salariés, par exemple, pour avancer sur cette démarche-là. Donc voilà, la RSE, c'est développer une vision RSE, c'est-à-dire durable, qui prend en compte trois dimensions, économique, sociale, sociétale et écologique, et qui permet d'intégrer les parties prenantes à l'activité de l'entreprise. Et c'est en ça où la démarche RSE est une démarche innovante, puisqu'on va développer des nouvelles pratiques. Donc c'est pour ça aussi que si on veut que ça soit une démarche innovante, il faut une méthodologie spécifique qui permet en fait de capter les innovations. Alors justement, parlons de cette méthodologie, puisque vous êtes docteur en gestion, experte en RSE, et que vous avez monté une plateforme, et c'est ça tout l'intérêt de l'INIFIA, une plateforme qui intègre une méthode scientifique. Alors expliquez-nous. Alors voilà, donc pour reboucler par rapport à mon histoire avec l'entreprise, c'est que justement, donc elle essayait de mettre en place sa démarche RSE, elle a essayé justement d'acquérir des compétences spécifiques, et en fait, grâce à mon travail de thèse, j'ai réussi en fait à construire une méthode qui permet de piloter la démarche RSE sans forcément avoir recours à tout un arsenal de compétences RSE. Donc j'ai vraiment étudié ce phénomène pendant 5 ans en fait, ma thèse. Donc en fait, quand on construit une démarche RSE, ce qui est complexe en fait, c'est vraiment de se rendre compte que la démarche RSE, il faut qu'on positionne l'entreprise dans son environnement de partie prenante. C'est vraiment ça. Alors moi, j'ai une approche très scientifique de la RSE. Et voilà, les approches théoriques sont claires. On se positionne dans une perspective partenariale de management. Et dans cette perspective, on doit, l'entreprise, si elle est en démarche RSE, prendre en compte les attentes de son environnement, les attentes de ses parties prenantes. Et cette méthodologie sur laquelle moi je construis la plateforme de pilotage RSE est vraiment ancrée dans cette perspective de parties prenantes. Bien sûr, on développe la vision sociale, la vision économique, la vision sociétale, mais en s'entourant de ces parties prenantes. Alors concrètement, avec votre plateforme, si je représente une entreprise, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais pour me connecter sur la plateforme, pour que ça me guide, j'imagine? Comment ça se passe? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Et puis, quelles sont les étapes que j'ai à faire? Alors oui, c'est une plateforme payante, entre guillemets. Alors cette plateforme, l'intérêt, c'est qu'elle s'appuie sur la méthode, mais qu'elle propose en même temps des outils de pilotage et une assistance RSE illimitée. C'est-à-dire que l'entreprise, donc, au lieu de, voilà, de forcément, si elle a peu de moyens, elle peut... Donc au lieu de faire appel à un cabinet extérieur, ouais. C'est ça que finalement... Voilà, c'est ça, elle se connecte à la plateforme selon un abonnement mensuel, donc qui est adapté à la taille de l'entreprise. Et en fait, elle bénéficie donc de la méthodologie, du kit de pilotage, des outils de pilotage. Donc on retrouve les outils de gestion de projet, mais de manière élargie à la démarche RSE. Donc on retrouve tout ce qui est suivi budgétaire, indicateurs de performance, programme d'action. Et en plus, la plateforme propose une assistance RSE illimitée. C'est-à-dire que dès que l'entreprise a un besoin, des questions sur comment elle doit gérer la prévention des risques, comment elle doit gérer l'organisation de son personnel, on répond à ces questions et on l'aide pour justement lui trouver l'aider à améliorer ses pratiques à son échelle, à son entreprise. Alors donnez-nous un petit exemple pour qu'on comprenne, que l'auditeur comprenne. Donc un exemple de questions qu'on peut vous poser et de comment vous le résolvez.
Alors, par exemple, j'allais dire la première étape, c'est tout simplement comment je vais construire ma démarche RSE, comment je vais la mettre en place. Donc, on va l'aider à identifier ces différents enjeux sur le plan économique, sur le plan social, écologique et sociétal. Donc, par exemple, sur le plan sociétal, on retrouve vraiment toutes les problématiques du développement local à la base d'aménagement du territoire. Donc, on va l'aider, on va l'aiguiller et on va faire en sorte que, justement, ces enjeux s'intègrent dans son territoire. On ne va pas partir... la démarche RSE, c'est une démarche qui s'ancre dans le territoire. Donc finalement, la première consigne, j'allais dire, c'est du acheter local, consommer local, au plus proche de chez soi, au lieu de courir, peut-être chercher ailleurs ce qu'on a à côté. Voilà, c'est... Bon, après, voilà, il y a des toujours... Moi, je ne vais pas remettre en cause les modèles économiques. Mais je vais faire en sorte que les modèles économiques soient plus durables. C'est-à-dire qu'on pense à des solutions alternatives, sur le plan local, sur le... On veut produire un nouveau service, est-ce qu'il est respectueux sur le plan écologique ? Plutôt que tout de suite, on se lance à créer un nouveau service. Voilà, on a une idée, on se lance dans l'idée. Attention, avant de se lancer, finalement, voilà. Posons-nous pour réfléchir. Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Ou est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Faut faire mieux, oui, carrément. L'améliorer. En fait, ça s'inscrit toujours comme ça, la démarche RSE, c'est vraiment dans une dynamique de progrès, d'auto-évaluation, d'amélioration, mais cette fois... Au lieu de se centrer uniquement sur l'économique, on intègre vraiment les questions sociales, écologiques et sociétales dans son activité. Alors, vous l'avez dit, l'INIFIA, c'est une plateforme, oui. Une plateforme avec cette méthode scientifique de RSE. Cette pandémie, comment vous avez fait pour... vous avez pu continuer à travailler un petit peu ou bien est-ce que pour vous, tout s'est arrêté à partir du mois de mars? Alors moi, c'est vrai que moi, la plateforme est en ligne depuis le 15 mai. Donc c'est vrai que moi, j'ai été peu impactée, entre guillemets. J'ai été impactée quand même parce que, évidemment, on était en pleine promotion et on était surtout axé sur l'événementiel. Donc c'est vrai que voilà, moi qui participais au salon Effervescence, par exemple, il était reporté. J'avais aussi une conférence prévue à Lille sur un événement. Bon, elle a été aussi annulée. Donc c'est vrai que voilà, ça a mis un petit peu... le moral dans les chaussettes, comme toute entreprise. Mais voilà, ça a aussi permis de réfléchir, de se mieux se positionner, de mieux comprendre aussi les problématiques des entreprises actuelles et améliorer encore plus la plateforme en elle-même. Donc ça a été plutôt bénéfique en termes de réflexion. Donc en fait, la mise en ligne de cette plateforme est donc assez récente. Oui. Mais le but, c'est de vous développer. Comment vous faites pour répondre aux questions des clients qui vont venir sur la plateforme? C'est du direct? Enfin, vous répondez au bout de quelques jours? Ou bien il y a déjà des réponses automatisées par un logiciel d'intelligence artificielle? Non, alors pas d'intelligence artificielle pour le moment, parce qu'en fait, c'est vraiment une première version. Donc, il faut voir aussi comment ça va être accueilli par les entreprises, donc des TPE, des PME. Essentiellement, voilà, celles qui n'ont pas les moyens, entre guillemets, de faire de la RSE en recrutant ou en faisant appel à des cabinets spécialisés. Faut savoir que la méthode, on est vraiment dans de l'accompagnement, dans du pilotage. Mais ce n'est pas moi qui vais faire innover les entreprises, entre guillemets. C'est la manière dont je vais les aider à piloter leur démarche, à s'auto-évaluer, qui vont créer les innovations. On peut, créer... un travail de veille, d'information, de conseil. Mais au final, les entreprises, c'est en réfléchissant sur leurs propres pratiques qu'elles vont innover. Donc voilà, on a vraiment un rôle de coordinateur et d'animateur avec cette plateforme. Alors, au sein de l'INIFIA, quel est votre modèle économique? Comment vous avez lancé cette entreprise? Vous êtes toute seule à travailler ou bien vous avez une équipe avec vous C'est vrai que je suis toute seule à travailler pour l'instant. Alors moi, j'avoue que j'ai poursuivi mon travail de thèse. Je ne voulais pas laisser tomber ces 5 années de recherche. J'ai aussi été confrontée à la fin de ma thèse à « oui, mais la RSE, c'est compliqué. Oui, mais la RSE, ça coûte cher. » Donc, il a fallu réfléchir. Mais comment on peut faire justement pour le simplifier, le rendre accessible? Et donc, j'ai réfléchi pratiquement pendant 2 ans. À cette plateforme et ensuite il a fallu la concevoir, donc j'ai lancé la conception en novembre l'année dernière, donc il a fallu 5 mois de développement à peu près, si je ne me trompe pas, 5-6 mois, et donc toujours seule dans ce projet. Bien sûr, je travaille avec l'incubateur de la Turbine à Cergy-Pontoise, donc qui m'épaule, donc je ne suis pas toute seule, je suis toute seule dans mon entreprise, mais j'ai quand même des soutiens avec mes partenaires.
Donc voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est un rêve, c'est jusqu'au bout, on y croit et on va voir ce que ça va donner. Et puis il faut vous donner le temps de vous développer, parce que ça prend du temps de développer une société. Donc oui. Là, faut se faire connaître. Et puis il y a des secteurs peut-être qui sont plus facilement intéressés ou plus rapidement par la RSE. Est-ce qu'il y a des secteurs que vous visez en particulier ? Tous les secteurs sont concernés par la RSE. Je pense que ça va surtout jouer sur la sensibilité des dirigeants, leur envie de vouloir développer leur activité dans une logique de durabilité, dans une logique de responsabilité. Je pense que la crise actuelle sanitaire, justement, devrait renforcer cet engagement. Je pense que c'est vraiment le moment maintenant de se dire, bon... Il faut y aller, puisque en fait, même notre environnement nous pousse à y aller, notre environnement extérieur, je parle des contraintes sociales ou écologiques. Donc la RSE est une solution. Je pense vraiment aussi qu'avec cette plateforme, l'idée c'était vraiment de faciliter ce pilotage RSE, qui est souvent complexe, et voilà, c'est flou, c'est ambigu. Bon, voilà, je pense que oui, tous les secteurs peuvent être concernés, en fait, tout dépendra. Après, c'est une question, j'imagine, vous avez aussi établi un profil budgétaire avec des paliers peut-être, selon comment ça se passe au niveau financier, comment vous avez déployé votre méthodologie. Alors, pour l'instant, sur cette première version, l'idée c'était vraiment de regrouper en fait les entreprises par taille. Donc on est vraiment sur des TPE, PME, donc on allait de moins de 10 salariés, 10 à 15, 10 à 25, 25 à 50, voilà des classifications. Et on est vraiment sur un paiement mensualisé et annuel. Donc c'est comme un abonnement finalement. Voilà, comme un abonnement. Qui va de quelle fourchette ça commence à quel niveau d'abonnement par an? Qu'est-ce qu'on peut dire aux entreprises qui nous écoutent? C'est par mois, alors ça commence à 249 € par mois et ça monte. Voilà, à peu près. Après, c'est une question de taille. Donc, le minimum, en tout cas, c'est 249 € par an, par mois, pardon, pour s'abonner à une plateforme d'intelligence artificielle pour la RSE. Voilà, c'est ça. Et vraiment, on a vraiment un accompagnement, la méthodologie. On les aide vraiment à piloter leur démarche. Alors, pendant que vous avez fait votre thèse en RSE, quelles sont les premières questions qui viennent à une entreprise, hormis... voilà, est-ce que c'est dans sa méthode, est-ce que c'est dans sa méthode, je sais pas moi, de consommer du papier, de faire des économies, de stylo, est-ce que ces petits sujets-là viennent aussi dans les questions? Bien sûr, alors c'est vrai qu'il y a moi je dirais qu'il y a deux niveaux de questionnement, il y a un niveau stratégique et après il y a un niveau opérationnel. Donc le niveau stratégique qui va vraiment engager la direction et opérationnel, ben, on va le décliner au niveau des personnels, des salariés. Et chacun en fait va apporter sa pierre à l'édifice. Donc oui, quand on réfléchit par exemple à la gestion du papier, bien sûr au niveau de la direction, on va réfléchir aux indicateurs de performance écologique, réduire la consommation de papier par exemple. Et ben, les salariés, eux, vont réfléchir à la manière... de réduire la consommation de papier. Et c'est là où c'est intéressant et c'est là où on arrive aussi à motiver ses personnels, parce que justement, on va sortir de notre cadre de travail actuel pour réfléchir ou même améliorer nos pratiques. Donc, moi, je dirais vraiment les premiers questionnements que j'ai rencontrés moi-même en entreprise, c'est oui, on veut changer, mais par où on commence? Donc, c'est pour ça que j'insiste. Donc, l'envie est là, mais on ne sait pas par quel bout le prendre. Donc vraiment, la première étape, c'est vraiment juste de développer sa vision. Voilà, quels sont nos enjeux, comment on veut y aller, comment on va le décliner ensuite au niveau opérationnel, comment on va le répartir dans notre société, c'est-à-dire comment on va le gérer. Et puis ensuite, tout simplement, on va le déployer. Et on va évaluer nos progrès et on va ensuite communiquer à nos parties prenantes aussi. En combien de temps est-ce qu'on peut mettre en place et développer les premières actions d'une politique de développement RSE? Moi, j'allais dire, ça dépend en fait de l'entreprise, déjà de sa volonté à vouloir s'engager rapidement ou pas, mais ça peut aller très vite, puisque en interne, le déploiement, on peut démarrer la démarche un mois après. Enfin voilà, c'est assez rapide en soi. Moi, j'ai vraiment aussi fait en sorte que ça s'accélère. Donc, dès le départ, quand on construit la stratégie, on a déjà tous les outils qui sont en place, on définit nos indicateurs, on définit nos enjeux, on fait aussi un point sur nos actions. Et ensuite, on essaye de voir les actions manquantes, on essaye de voir comment aussi nos parties prenantes, elles vont participer, comment on va les intégrer. Et ensuite, on peut déployer les premières actions au bout de
4, 5, 6 mois, peut-être, tout dépend de l'entreprise en fait. Merci Christelle Paulus, grâce à vous on a mieux compris la démarche RSE. On a compris que grâce à cette plateforme Linifia, pour 250 euros par mois, on s'abonne et ça nous aide au niveau de la démarche RSE. Vous pourrez retrouver toutes ces informations, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Et puis, on va terminer. Je vous propose de terminer avec un documentaire sur Arte, un hommage et puis surtout toute la vie de Frank Sinatra, car je sais que vous adorez ce crooner à la voix de velours. C'est un documentaire qui a été réalisé par Annette Baumeister. Il a eu une vie tumultueuse. On a dit beaucoup de choses sur lui. En tout cas, c'était un fils d'immigré italien né près de New York. Et je vous propose un extrait de ce reportage, de ce documentaire, car il a obtenu un Oscar, souvenez-vous, pour Tant qu'il y aura des hommes, puisqu'il a aussi tourné au cinéma. Je vous propose d'écouter un petit peu ce que propose Anne Baumeister. De magique dans le temps. C'était un homme très passionné. Il faisait tout à fond, dans l'amour comme dans la haine. Il pouvait vous briser. Sa manière de faire, est-ce que les hommes aimeraient faire? Il était comme on aurait tous voulu être, bagarreur, gros buveur, un vrai dur. Vraiment, même avec la méthode, c'est beaucoup plus simplifié. Parce que j'imagine que chez vous, vous avez tous les tableaux qui permettent de... Frank Sinatra, pour ses fans, la musique de Sinatra était la bande-son de leur vie. What is America to me? C'est ça qui est intéressant. De toute façon, c'est le regard du temps. Et qu'il n'y a pas de RSE derrière, ça a marché. Je suis responsable de la RSE et en fait, je gère mon équipe avec le confinement par WhatsApp, vraiment tous les outils. Et je reste vraiment beaucoup, beaucoup d'autonomie. Beaucoup plus que quand on est sur la surface.